avec qui? Rookie. Avec Rookie, il est là, Rookie. Coucou mon Rookie. C'est un garçon. Parce qu'aujourd'hui, Rookie, il va faire sa première vidéo. Oui. Et ouais, tu vas faire ta vidéo tout seul, comme un grand. Non, c'est pas vrai. C'est une vidéo, par contre, qui est consacrée à Rookie, parce que Rookie a reçu un... Oui, et c'est le Waff Box. Et oui, une Waff Box. Alors regardez, on avait déjà fait une vidéo de chez Animal Box pour Clochette et Dina. Parce qu'on a des chats à la maison et ils font la version chien, je vous en avais parlé. Et ils font pas la version poisson? Non, ils font pas la version poisson, pas encore. Et là, ce mois-ci, on a reçu la box de janvier pour Rookie, donc pour chien. Donc on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir avec vous et avec Rookie surtout ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est le premier concerné. Là, il est en train de faire le fou avec Gina à côté, mais bon. Je pense quand il va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, il va vite nous rejoindre. Ouais, je pense bien. Alors les amis, parce que lui, il est sans plus tarder, on va ouvrir cette les box. Les amis, il est très gourmand ce chien-là. Très très gourmand, qu'est-ce que c'est? Secret. Alors, je vais l'ouvrir. Alors attends, je vais montrer parce qu'elle est trop belle quand même la box. Ouais. Vous voyez, il y a un petit chien, un petit chat, des jouets. C'est Noël. Et c'est marqué box made with love, donc ça veut dire box faite avec amour. Donc on va... Amour des animaux. Ben voilà, amour des animaux, c'est une petite bête, c'est trop gentil. Donc on va ouvrir cette box de janvier, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que la dernière fois, elle était bien remplie, celle des chats. Ouais. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous la... Ben, cliquez sur le petit lien. Voilà. Il faut cliquer sur le petit lien, là où vous pouvez trouver la box. Et en plus, vous avez droit à un code promo pour avoir une réduction qui est... Kid, studio, test, de toute manière vous aurez tout dans la description. Alors on l'ouvre cette box ou pas? Ouais. Rookie, on l'ouvre? Ouais, alors... Rookie, il arrive, regarde. Alors on y va. On va essayer de pas l'abîmer parce que... Wouah! Regardez! Wouah, elle est bien remplie, hein. Oh. Ah, il y a Rookie qui s'est réveillé là. Alors attends, on va peut-être ouvrir un par un. Déjà on va... Ouais. On va déjà regarder. Alors ça c'est le Woof Mag. Alors le Woof Mag, alors à l'intérieur... Il y a plein de chiens, regardez. Et oui, il y avait des petits chiens. Donc la dernière fois, on avait eu version chat. Un Spitz. Ah oui, un Spitz. Oh Milo, regardez, il y a un petit Spitz là. Donc là, attends ma louloute, avant de déballer et tout. Donc là, on a plein de photos, de portraits de chiens qui ont ouvert leur box. Voilà. Alors nous, on avait eu la version chat, là c'est la version chien. Donc on lira ça un peu plus tard. Et ils sont trop mimi, ce petit chien là qui ont leur box. Ils sont trop mimi. Alors là, Rookie, pour le moment, il dort. Mais quand on va lui montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je pense qu'il va se réveiller. Rookie, regarde. Un petit joueur. Ça, elle a pris la première chose qu'il y a dans cette box. Alors, c'est un Doudzou, Buster et Beau. Le Snuggle Blanky. Oh, il est trop beau. Regardez, les amis. C'est un petit doudou pour chien qui fait plein de bruit pour lui jeter, pour tirer. Je suis vraiment excellent. Il va mordre excellent. Et tac tac, c'est marqué en anglais, en français, avertissement, surveillance recommandée, retirer les dommages et les pièces qui se séparent. Oui, bah ne convient pas pour les enfants, d'accord? C'est pas pour toi le jouet. Oui. C'est un doudou pour chien jouet. Alors regardez, on va enlever tout de suite. Hop. C'est tout simple à ouvrir. Voilà, hop, on met ça de côté. On va enlever tous les petits emballages dessus. Bon là, il n'y a plus rien. Hop là. Hop là, et puis on va montrer ça à Rookie parce que là il dort, mais à mon avis il jouera avec dehors plutôt. Rookie, regarde. Tiens. Il va dormir avec un petit chien. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est un nouveau jouet. Un nouveau jouet pour jouer dehors. Ouais. Il a l'air trop bien ce petit jouet. Ah bah regardez. Ah. Apparemment il lui plaît. Hein. Ah ouais, ça c'est pour toi ça. On veut oui, c'est pour toi. On veut oui, c'est pour toi. On veut oui. Ah non, pas moi, c'est pas moi le jouet. C'est pas moi. Il est beau ce jouet, hein? Il est beau, le beau. Oh oui, il est beau. Il y a plein de morts. Alors déjà, je crois qu'il adhère pour ce petit jouet. Tiens, Rookie. Il est mort. Ah, il mord l'étiquette. Il mord l'étiquette qui est là. Il fait un peu de bruit, donc du coup, pas laisser la nuit, je pense. Hein, parce que j'arrive peut-être à me réveiller. Eh oui, parce qu'on quitte, il joue la nuit. Alors on va le mettre de côté et on va passer à la chose suivante. Ah bah un autre jouet, ok, bah un autre jouet alors. Alors deuxième jouet c'est un... Oh oh. Allez-vous. Oh un poit-poit, Rookie, il adore ça les poit-poit. Un petit bout, alors je peux voir ma chérie. Alors c'est... Ah.
un jouet hibou. Un Wookie fout de ses jouets. Donc là, c'est un petit hibou comme ça. J'adore les jouets. Je suis beau. Bon, oui, c'est pour toi ça. Il est trop trop beau ici. Il fait pouet pouet. Ça fait beaucoup de bruit. Oui. Maman, je peux enlever l'étiquette. Oui, tu peux enlever l'étiquette. Alors ça, c'est pour Wookie. Hein. Tu peux les donner. Ben oui, c'est pour toi. Eh ben oui, c'est pour toi. En fait, je vais lui lancer parce que les amis veulent jouer avec. Donc, tiens Wookie, tiens. Hop, Wookie. Et ça y est, il est parti à l'assaut du jouet. Alors, on en revient le deuxième. Je pioche au hasard. Écoute, écoute. Il lui plaît le jouet. Écoute, écoute. Oui. Écoutez. Un Wookie adore les pouettes pouettes, il adore ça. Alors, troisième petite chose, alors c'est quoi, grosse chose même. Donc ce sont des sticks à manger au bœuf pour qu'il se fasse les dents dessus. Alors ça, je pense qu'il va adorer. C'est un petit peu comme les hamsters. Il y a 55% de vraies viandes de bœuf à l'intérieur. Wookie. Wookie adore son nouveau jouet apparemment. Donc ils disent à consommer à couverture pendant 14 jours. Il y a des protéines, des fibres, de la viande. Il y a plein de choses à l'intérieur, donc on va tester. On va voir s'il aime ça. On va en prendre un. Je vais l'ouvrir. On va peut-être pas tout lui donner parce non, que. Hein, je vais lui donner un petit peu déjà. Un petit bout, on lui va les faire goûter. Et puis on va l'appeler alors. On va le re-emballer. Ouais. Wookie. Tiens. Yeah. Wookie. Tiens Wookie. Wookie. Bah, il est parti avec son jouet, il veut plus venir. Wookie. Wookie est nouveau parmi nous, ça n'a pas été sans mal parce que bah, il adore son nouveau jouet. Puis là il a vu la petite viande là, le petit juste type de viande. Tout ce bout-là. Et on va lui faire goûter un morceau, donc pas trop gros. Normalement, moi, je lui donne ça en récompense quand il a bien fait quelque chose, quand je l'ai brossé. Oui, mais là, c'est juste bavé. Pour goûter. Voilà, là, c'est pour goûter. C'est une dégustation, Wookie. Tiens, tu veux lui donner? Oui. Non, tu dis doucement. 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 Oui, c'est bien, mon chien. Alors, est-ce que c'est bon? Oh, bah. Ah, bah, ça y est, il y a un pu. Est-ce que c'est bon? Allez, il tremble, il adore ça, vraiment. Ça y est, je vais piocher. Alors, on va piocher autre chose, là, Wookie, ça y est. Ça retient toute son attention. C'est pas pour jouer ça. Un sac. C'est pour ramasser les caca. C'est pour ramasser la caca, tu vois? Waouh, trop bien! Regardez les amis. Et en plus, j'en avais pas, j'en voulais un. J'ai toujours les sacs. Il est rose! À caca dans mon. Ah, en plus, il est rose. Alors, ça, je vous explique, les amis. Alors, ça, on va l'ouvrir. Hein. Ouais. Tu sais à quoi ça sert, ça? Oui, ça sert à ramasser les crottes dans la rue. Parce que c'est mal poli de les laisser. Voilà, donc nous, on ramasse les crottes dans la rue. Et c'est vrai que j'en avais pas. C'est un distributeur à sac à caca. Montrer? C'est. Ouais, bah ouais. Alors regarde, tiens. Alors regardez, ça s'ouvre comme ça. Comme et ça. À l'intérieur, il y a un petit distributeur de sacs. C'est trop bien. En plus, il est rose, c'est trop beau rose. Ouais. J'adore, c'est ma couleur préférée. Mm-hmm. Alors. Et c'est, je vais vous montrer comment on l'accroche à la laisse. C'est tout face pour accrocher à la laisse. Vous enlevez ce petit truc là. Après, vous l'accrochez à la laisse, après vous le refermez. Alors, on va pas le faire. Et là, on a les petits sacs roses qui se séparent, trop beau, avec un petit chien dessus, des petites pattes de chien. Alors ça, on le met à l'intérieur. Oui. Ouh. Voilà. On le laisse dépasser un tout petit peu. Voilà, là on l'a fermé, on laisse dépasser, on n'a plus qu'à tirer quand il y a un petit caca. Et c'est quand même plus joli ça à la laisse que les sacs tout noirs dans le sac à maman, c'est pas très glamour. Hein. Ça c'est un super produit parce que ben comme ça j'aurai toujours des sacs à caca à portée de main. Et puis en plus c'est interdit de laisser les caca sur le trottoir. Hein. C'est interdit, merci. Donc ça super, merci, j'adore ça. Fais attention. Ensuite, prochain. Alors bah, c'est ça. Alors c'est quoi? De la nourriture. Du dental con menthol, buen alimento. Alors ça, apparemment, il n'y a pas français. C'est en espagnol. Alors, il y en a 4 à 10 par jour. En fonction du poids de l'animal, proportionnellement adaptable, fonctionnel buccal. Apparemment, ce sont pour, à partir des 6 mois, c'est comme une sorte de dentifrice, en fait, à la menthe. Comme des croquettes en forme de... Ben, on va l'ouvrir, hein. Ouais, on va lui donner qu'une seule. Oui, c'est en forme de petit os vert.
C'est à la menthe et c'est pour les dents. Donc c'est un peu comme un dentifrice. En fait, c'est des os de extra stress. Des os de stress. Des os d'extraterrestres. Donc voilà, à quoi ça ressemble, je vais remettre dans la main. Attends, Louloute. Ah bah, voilà, un peu, voilà. Comme ça, moi. Cookie, il aime apparemment. Donc voilà comment ça se présente. Ce sont deux petits. Ah, j'ai un truc collé au doigt. Alors, ce sont des petits os verts pour les dents. Alors, Ouki est en train de le manger. Je sais pas s'il aime vraiment. Est-ce que tu aimes? Oui. Il est en train de le mâcher. Alors, cette fois, pour une fois, il ne gobe pas. Il mâche. Ah, ça a l'air dur à manger quand même. C'est bon, mon Ouki? Tu vois? Tiens. Mais je te le prends pas, regardez. C'est bon, ça? Est-ce que c'est bon? Ouais, ça... Hop là! Hop là! Ah, tiens! Ouais, c'est bon. Apparemment, il aime bien. Ouais. Ouais? C'est bon ça pour tes dents, mon doudou? Moi, oui. Moi, oui, c'est bon. Par contre, je trouve pas que ça sente la menthe. Hein. Lui, je pense qu'il doit le sentir parce qu'on est l'odorat vachement plus développé que nous, les chiens. Donc, ça, je pense que c'est 10 sur 10 pour lui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans dans cette boîte? C'est trop bon. Des chicken treats with sweet potato, popping and carottes. Alors. Oui, c'est encore pour toi, ça. Alors ça, ce sont des... je sais pas. Alors dedans, il y a du poulet, il y a de la pomme de terre, il y a de la carotte. Alors, dans les commentaires, dites-moi ce que ça veut dire. Pumpkin, parce que je sais pas ce que c'est. Alors, il n'y a pas de colorant artificiel. C'est fait qu'avec de la viande naturelle. Enfin, que des aliments naturels. Donc bon, on y va. Alors, ce sera une petite friandise pour toi. Ok. Regardez. Voilà. Trop beau. Alors l'ouvre. Regarde, on va l'ouvrir comme ça. Ouais. Attends, Loulou. Attends. Là, la petite en gauche, elle est là. Ouais, tu peux l'ouvrir. Alors. Pas entier, hein. On va lui donner qu'un petit morceau déjà. On va voir comment ça se présente. Si c'est dur, si c'est mou. Attends, ok. Hop. En gros, ce sont des rochetis pour chien, quoi. Ah, fais voir. Oh, c'est mou. Ah, oh, c'est mou. Ouais, fais voir. Ça ressemble à des gaufres. Ça ressemble à des gaufres, ouais. Derrière, regardez. Je sais pas si voit bien. Oui, voilà. Donne un petit. Ah, attends, Louloute. Je vais montrer. On dirait des petits steaks hachés. C'est des petits steaks hachés. Et apparemment, Ouki, ça a l'air de chouler. Attends, je vais t'en couper. Ouais. Ouf. Ça sent pas très bon. Non, mais moi, je peux pas sentir, j'ai les bouchées. Ah, oui, effectivement, il y a un morceau de carotte à l'intérieur, on voit. Donc, vas-y, bah, donne-lui. On va pas lui donner en entier parce qu'il a déjà eu une croquette. Il a pas eu son. Bah alors, Ouki, dis donc, il t'a mangé? Non. Ah, j'ai peur. Normalement, Ouki ne mord pas. Bah, ça y est, t'as tout mangé. Ça y est, bah, y'en a plus. Voilà, c'est fini. C'est fini, y'en a plus. Alors, ça, c'est quoi, ma louloute? C'est le magazine 30 millions d'amis. Et le voilà. Moi, j'adore ce magazine 30 millions d'amis. Maman. Trop, trop bien, oui. Avant, il y avait un poster avec, avant. Oui, bah, je pense qu'il y a un poster, là. Il est là. Ça aime bien le poster de 30 millions d'amis. Alors, on y va, on va le découvrir en page centrale. Tu vas le mettre dans ta chambre? Oui, moi c'est bon pour ce que c'est. Moi j'adore les animaux, c'est pour ça. Un petit chat. Le poster de 30 millions d'amis et de l'autre côté. Un peu. Oh non, c'est deux petits chats sont trop beaux et un ours polaire. Moi je vais mettre de ce côté pour côté ours parce que c'est l'hiver. Ah oui, pas bête. Attends, je vais le replier délicatement. Voilà, pas qu'on l'abîme, on va le mettre là. Moi j'adore les animaux. Et là, on a plein de choses sur les animaux dans ce magazine de 30 millions d'animaux. Maman, moi j'adore. Pas vrai, oui, j'adore les animaux. Oui, je sais que tu adores les animaux. Oui, tout le monde sait, je pense que tu aimes les animaux. Donc on lira ça à tête reposée. Et ben ma foi, on est venu à bout de cette box. Elle est vide, ça y est. Ça te plaît ça, mais ça c'est pas ton jouet, c'est mon jouet ça. Alors ça plaît vraiment Océane. Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as préféré dans la box? Le poster. Le poster. Moi c'est vraiment le distributeur à sac et caca que j'adore. Non, moi c'est pas le poster. Moi c'est Rocky qui me... Oh, c'est Rocky qui t'a préféré. Ça franchement c'est trop bien, en plus c'est la couleur que je préfère. Et Rocky, toi t'as préféré quoi? Bon, ça je pense que le poète était pas mal parce qu'il est parti jouer avec et après tout à l'heure comme une flèche. Hein. T'as bien aimé le poète, on va aller jouer avec lui d'ailleurs. Donc on va vous laisser, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas que vous avez un code promo en bas. C'est pour vous, ce cadeau.
Donc, bah écoutez, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à quoi ? Mettre un petit pouce, vers le haut, une petite patte vers le haut, comme ça, comme vous dites. Petite patte vers le haut, patte vers le haut. Et puis, bah, si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on fait ? Abonnez-vous. Et en attendant. En attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et aussi on voulait remercier encore Animal Box de nous avoir envoyé cette super box du mois de janvier. Ciao, ciao les amis, bisous. Oh, c'est pas des mal. Bisous les amis, ciao.